tour de magie, les amis, avec un billet de banque. Un billet de banque emprunté à un spectateur. Élodie, tu as un billet de banque? Oui. Alors, c'est un billet de 10 euros. C'est ton billet, on est d'accord? C'est mon billet. Alors, on va plier le billet en deux, ici, comme ceci. D'accord? Ok. Voyons bien, sur la table. Et on va utiliser également une carte à jouer. Une carte à jouer et le billet de banque. D'accord? Okay. Ton billet, hein? La carte à jouer au milieu du billet. Est-ce que tu vois bien la carte déplacée des deux côtés? Oui. Tour de magie. Disparition de la carte. Juste en soufflant 1, 2, 3, la carte disparaît. Oui, mais tu l'as poussée de l'autre côté. Ah non, regarde, non. Si on souffle à nouveau, la carte réapparaît. Oui, mais tu l'avais poussée de l'autre côté. De l'autre côté, je comprends pas. Comme ça, c'est ça? Non, non, là tu l'as retournée, c'est pas pareil. Alors, si je souffle à nouveau, attention, la carte disparaît. Oui, mais tu l'as encore poussée là. Non, 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 elle a véritablement disparu, hein, ici. Véritablement disparu. C'est ton billet de banque. Ah oui, oui, c'est mon billet. Mais tu sais où est-ce qu'elle est, la carte? Non. Sur le verre, ici. Une carte, la carte, ton billet de banque. C'est bluffant ou pas? Très bluffant. Voilà, je te rends ton billet et ça s'appelle bluff. Merci.